ma téléspectateur de Gangan TV, bonsoir et bienvenue dans votre émission Sans Tabou, tout s'explique. Cette émission qui vous permet tout simplement de percer les mystères des faits et phénomènes sociaux en allant bien sûr au-delà de la réalité. Aujourd'hui également, on va parler d'un phénomène social ou plutôt d'un fait social. Il s'agit du make-up, entendez le maquillage. Vous le savez, bon nombre de femmes adorent en tout cas se maquiller, se transformer, se rendre belle, soit pour leur époux, soit tout simplement pour paraître dans les cérémonies, dans les fêtes et tout. Alors aujourd'hui, nous, on en parle tout simplement dans cette émission. On en fait l'objet d'un débat parce que vous le savez, il y a certaines d'entre elles qui débordent en tout cas le maquillage. Voilà, elles sont toutes jolies, mais à force de trop les maquiller, elles deviennent vilaines. En tout cas, comment est-ce qu'on doit doser tout ça? On a aujourd'hui une professionnelle ici sur ce plateau. Il s'agit bien sûr de Ange-Marie Christelle Abba, que vous voyez souvent sur Gangan TV, notamment sur Facebook. C'est elle-même qui m'avait sublimé, voilà, le jour du journal de l'an. Mais aussi, elle avait maquillé la grande animatrice de la boîte, celle qu'on appelle tout simplement Aissatou Sidimé. Donc, nous, on la surnomme ici tout simplement la dame au pinceau magique, Ange-Marie Christelle Abba. Bonsoir. Alors, vous allez bien? Je vais bien, merci. Dans la ferveur de la fête, hein, parce qu'il y aura beaucoup de personnes à maquiller, bien évidemment. Trop de rendez-vous. D'accord. Et je rappelle que c'est elle qui m'a sublimé encore une fois. Hein. Voilà, vous voyez le maquillage, il est tout à fait waouh, bien léger, bien adapté en tout cas à mon visage. C'est cela aussi le professionnalisme. Alors, qui est Ange-Marie Christelle Abba? On va tout d'abord commencer à parler de son parcours. Elle a étudié en tout cas la gestion des ressources naturelles à l'université. Qu'est-ce qui l'a amené en tout cas à se reconvertir en maquilleuse? Qu'est-ce qui a fait qu'elle a aimé cette profession? On va en débattre tout à l'heure. Alors Ange-Marie Christelle Abba, on va tout d'abord commencer par le début du commencement. Vous allez d'abord nous dire qu'est-ce qui vous a poussé à être maquilleuse, vu que vous êtes diplômée en gestion des ressources naturelles. Voilà, comme je le disais à la fois passée à une dame, c'est de la passion. Parce que tout métier qu'on fait, il faut en fait aimer son métier. Et j'aime beaucoup embellir, sublimer comme tu l'as dit. Et lorsqu'on travaille, lorsque son travail c'est sa passion, on ne sent pas qu'on travaille parce qu'on a cette joie-là, cette envie de continuer à faire ce qu'on aime. D'accord. Est-ce que maquiller, ça a toujours été un rêve d'enfance? Est-ce qu'à l'enfance, il vous arrivait de maquiller, par exemple, vos poupées? Parce qu'il y en a beaucoup qui commencent comme ça. Non. D'accord. Non. Ça n'a pas été un rêve d'enfance. Quand j'étais enfant, j'avais d'autres rêves, mais quand on grandit, on se rend compte de ce qu'on aime vraiment. Voilà, et j'aime vraiment le maquillage. D'accord. Alors, d'où est venue cette inspiration-là? Est-ce que c'est en regardant des vidéos des autres femmes qui font le make-up? D'où est venue réellement cette inspiration? Cette inspiration est venue de ma passion. Bien. Cette inspiration est sortie de cette passion que j'ai. Au fait de voir tout ce qui est beau. J'aime ce qui est beau. Donc, embellir une femme, parce que même la femme la plus démunie, lorsqu'elle est maquillée, elle a une certaine confiance en soi. Elle est plus belle. Elle se sent plus... ça ne veut pas dire forcément qu'elle n'est pas belle sans maquillage, mais il y a une certaine retouche. Et lorsque je vois cette joie sur le visage des gens, c'est un plaisir pour moi d'avoir choisi ce métier. D'accord. Alors, vous avez terminé vos études. Vous êtes diplômée en gestion des ressources naturelles. Donc, si je comprends bien, c'est bien après les études que vous vous êtes lancée dans le maquillage, dans le make-up. Est-ce que vous avez eu à faire des stages de formation? Quand j'ai fini, je suis allée apprendre l'anglais. Je fais l'interprétation et traduction anglais aussi. Bien. Bravo. Anglais, français, oui. Plusieurs casquettes. Oui. C'est bien. Donc, je travaille dans une université au Bénin. J'ai fait 6 ans environ au Bénin. Et j'étais l'assistante du DAF.
J'étais une assistante comptable, je me suis un peu, j'ai beaucoup de trucs à faire quoi. Bien. Mais j'ai démissionné. D'accord. J'ai démissionné parce que, un, j'aime le maquillage, mm-hmm. et de deux, je voulais vraiment me lancer dans l'entrepreneuriat. D'accord. Je voulais être à mon propre compte. Mmh, indépendante. Voilà. Mmh. Voilà, c'est un peu ça. Bien. D'accord. Alors, vous avez eu à faire des stages dans les salons là-bas au Bénin ou... Non. Lorsque j'ai démissionné, mm-hmm. je suis allée à Lagos, au mm-hmm. Nigeria, mm-hmm. et j'ai fait environ 3 mois de formation. Bien. Et 6 mois de stage. D'accord. Oui, dans l'académie de beauté où j'ai appris. D'accord. Voilà. Alors, quelles ont été les difficultés que vous avez eu à rencontrer à vos tout débuts? Dans le maquillage, dans les débuts, c'est le fait de se faire des contacts, de se faire connaître, mm-hmm. qui est souvent une difficulté. Mm-hmm. Lorsqu'on sort de l'école de maquillage, il faut avoir un carnet d'adresses. D'accord. Bien garni, mm-hmm. Pour pouvoir avoir des rendez-vous. Mais lorsqu'on n'est pas encore connu du public, c'est un peu compliqué. Mm-hmm. Des fois, tu peux aller maquiller quelqu'un, cette personne-là, tu ne l'as jamais maquillée, elle ne te fait pas vraiment confiance et elle te transmet ce stress-là, en fait. Mm-hmm. Donc, c'est des choses vraiment compliquées au début. Voilà. Alors, moi, généralement, je me dis, est-ce qu'il n'y a pas un peu de magie là-dedans, à vous voir en train de manier ces pinceaux? Il y a plusieurs pinceaux à utiliser, il y a des contours à faire sur les lèvres, sur les yeux. Est-ce qu'au tout début, vous arriviez vraiment à le faire sans faire quelques faux pas? Comment est-ce que vous vous êtes rapidement adapté? En fait, le maquillage, c'est de l'art. Mm-hmm. Il faut d'abord aimer mm-hmm. dessiner. Mm-hmm. Le maquillage, c'est comme de redessiner mm-hmm. quelqu'un. Bien. Donc, il faut aimer vraiment d'abord ça. Mm-hmm. C'est ça la base, au fait. Mm-hmm. Et aussi, j'ai beaucoup appris à l'école. En fait, à l'école de maquillage, c'est comme un enfant de CPE, hein, qu'on apprend à écrire. Oui. Parce que vous dessinez, vous commencez par des cours théoriques. Ah. Avant là, oui, vous faites au moins un mois de cours théoriques, mm-hmm. juste à dessiner, juste à apprendre la colorimétrie, wow. oui, la morphologie faciale, les types de peau. D'accord. C'est tout un processus mm-hmm. avant de commencer les cours pratiques. Mm-hmm. Oui, c'est vrai qu'au début, les cours pratiques, c'est un peu compliqué, mais c'est pas trop compliqué parce que tu as déjà commencé à dessiner sur un papier. Mm-hmm. Donc, c'est comme si tu reproduisais ce dessin sur le visage mm-hmm. de ton modèle. Mm-hmm. Voilà. Donc, c'est vrai, je faisais beaucoup de faux pas et c'est normal mm-hmm. pour une débutante. Oui. Mais bon, je m'en suis quand même sortie. Voilà. Avec un diplôme et une mention vraiment bien. Bien, hein? Intéressant. Hein? Oui. En plus d'être maquilleuse, elle est diplômée en gestion des ressources naturelles, diplômée aussi en make-up, oui. diplômée aussi en entrepreneuriat et tout, et également en comptabilité, hein, si je comprends bien. Bravo en tout cas, un chapeau pour vous. Intéressant, on va toujours continuer. Je n'ai pas étudié la comptabilité. Bien, mais vous avez travaillé en oui. tant que comptable. Oui. C'est bien, en tout cas, ça fait une autre expérience. Oui, oui, oui. Voilà donc. Alors, je rappelle que nous sommes sur ce plateau avec la dame Ange-Marie Christelle Abad. Nous, on l'appelle tout simplement la dame au pinceau magique. Elle est toujours là, en tout cas, pour transformer nos visages, pour qu'on paraisse très, très jolie, en tout cas, aux yeux de nos nombreux téléspectateurs de Gangan TV. Alors, Ange-Marie Christelle Abad, vous êtes venue tout récemment en Guinée. Oui. Il n'y a même pas un an de cela, hein, vous avez commencé, en tout cas, à avoir un beau public. On le voit sur la toile et tout. Alors, est-ce que parfois vous avez des clientes qui vous mettent les bâtons dans les roues du genre, le make-up il est trop, il est ceci, il est cela. Est-ce que ça vous arrive parfois? Pas vraiment, parce mm-hmm. que j'essaie vraiment de rassurer mes clientes. Mm-hmm. Il y a certaines qui peuvent te dire de mettre un fond de teint plus clair, mm-hmm. parce qu'elles veulent avoir le visage plus clair que le reste corps. Du corps, mm-hmm. mais je leur fais comprendre que ce n'est pas bon, mm-hmm. qu'il faut que le fond de teint disparaît au fait, mm-hmm. sous la carnation de cette personne-là. Mm-hmm. Donc j'essaie au fait de rassurer mes clients de façon professionnelle, mm-hmm. et je n'ai pas encore vraiment eu de problème avec mes clientes. Bien. Parce que j'essaie de communiquer avec eux. Mm-hmm. Avec le sourire au visage et tout. J'essaie de communiquer et
Et ça va. Quand même, j'ai beaucoup de mes clients témoignent de ça. Aussi, certaines veulent un maquillage flashy, mais selon les flashy, c'est-à-dire. on est en tout cas avec le make-up aujourd'hui. Oui, hein. Un maquillage trop criard. D'accord. Et je leur fais comprendre que selon le temps, la période, par exemple, je ne peux pas faire à quelqu'un qui va juste un truc de la journée, un maquillage de la nuit avec beaucoup de bling-bling, non. Je m'adapte. En fonction du milieu. Voilà. Et j'essaie aussi d'expliquer à mes clientes que voilà, je fais ci parce que c'est ça. Et elles comprennent souvent quand même. Intéressant. Ouais. Alors, la dernière fois, j'avais vu une de vos publications, vous avez maquillé 15 femmes. Oui. 15 femmes seulement dans la journée. Je fais plus que ça. Waouh. Je fais plus que ça. En fait, c'était un mariage où on m'avait appelée. Et la mariée avait 9 filles d'honneur. Sa marraine. Les amis de la marraine, beaucoup d'autres personnes qui étaient là, qui voulaient vraiment que je les maquille, qui avaient vraiment envie que Marie-Christelle les maquille. Donc, après avoir maquillé tout le staff de la mariée, il fallait encore attaquer les autres clientes qui étaient là et je ne pouvais pas les décevoir. Donc, j'ai passé presque toute la journée à maquiller. Mais bon, j'avais cette joie-là. En fait, lorsque tu le fais avec passion, il y a toujours cette joie. On ne sent pas la fatigue. Voilà, voilà. Donc, c'était bien. D'accord. Et comme sur la photo, j'avais encore le sourire. Ouais, toujours, hein, toujours le sourire et tout. Donc, avec elle, c'est nos stress, quoi. Elle vous maquille sans aucun problème. Oui. Alors, maintenant, le make-up. Pour vous, quel est l'avantage du make-up? Le maquillage, c'est... D'abord, je vais définir le maquillage. Le maquillage, c'est l'utilisation de produits cosmétiques pour la mise en beauté d'une personne ou la modification des traits du visage d'une personne dans le cadre du cinéma, dans le cadre du maquillage artistique, dans le cadre des effets spéciaux et de la création des monstres pour les grands films. D'accord. Mais moi, je suis spécialisée en mise en beauté et maquillage artistique. D'accord. Parce que lorsqu'on fait le maquillage, à la fin, tu dois avoir une spécialité. Voilà. Donc, pour le moment, je fais juste la mise en beauté et le maquillage artistique. Une énorme mise en beauté, hein? Oui. Donc, le maquillage, les avantages du maquillage, en fait, c'est d'abord unifier le teint. D'accord. Embellir. Parce que toutes les femmes sont belles, mais certaines peaux ont tendance à avoir des taches. Sur le visage, oui, des boutons. Des boutons. Au moins, tu sais, l'apparence est beaucoup primée de nos jours. Lorsque tu rencontres quelqu'un, ton apparence peut faire d'abord que cette personne te reçoive. Exactement. Lorsque tu as une bonne apparence, avant de chercher à voir ce qui est à l'intérieur. Donc, si l'extérieur n'est pas accepté, cette personne ne peut pas découvrir l'intérieur. Oui. Voilà. Donc, il faut d'abord soigner son apparence et après tout va bien quoi. Donc lorsque tu as un visage qui n'est pas unifié, un visage où il y a des taches, il faut chercher à unifier, à ressortir les traits de notre visage. Par exemple, je prends l'exemple une femme qui n'est pas épilée et une femme qui est épilée, même sans le maquillage, il y a une différence. On voit que la crête sourcilière c'est là, est bien ressorti. Donc, c'est un trait du visage au fait qui est illuminé. D'accord. Donc, c'est un peu ça l'avantage du maquillage, embellir, unifier le teint, corriger les imperfections de la peau de façon instantanée. C'est vrai que chacun travaille sur le teint, chacun travaille à embellir sa peau, mais des fois, il y a des taches vraiment très têtues. Oui, voilà. Exactement. Il y a des taches très têtues et tu as un rendez-vous et de façon instantanée, le maquillage peut t'aider. Parce que moi, j'ai compris que ici, les gens confondent maquillage et dépigmentation. Bien. Voilà. Ok. Donc, le maquillage et la dépigmentation, ce n'est pas la même chose. Exactement. Le maquillage est une solution instantanée, une solution bien qu'elle soit éphémère, mais une solution instantanée pour
couvrir, pour embellir une femme. Voilà. Tandis que la dépigmentation, elle la lève totalement. Je ne suis pas d'accord avec la dépigmentation. Je suis totalement contre. Vous pouvez le voir. Oui, exactement. Avec la voilà. peau des veines. Voilà, c'est bien. Alors, maintenant, les fonds de teint. Parce qu'il y a certaines femmes, dès qu'elles utilisent certains fonds de teint, ça fait apparaître les acnés et tout. Est-ce que réellement, qu'est-ce que vous avez à leur dire pour qu'elles se trouvent de très bons fonds de teint? Il y a plusieurs causes à ces problèmes-là. C'est que des fois, le choix du fond de teint est très primordial. D'accord. Parce que, un, il faut choisir son fond de teint en fonction de son type de peau. Si vous avez une peau grasse, prenez un fond de teint à base d'eau. D'accord. Un fond de teint à base d'eau sans huile. Un fond de teint matifiant. À base d'eau sans huile. Voilà. Matifiant. Voilà. Bien. Si vous avez une peau sèche, prenez un fond de teint à base d'huile. D'accord. Parce que ça hydrate en même temps la peau et ça donne des points, des traits moins tirés. Ça donne des traits moins tirés. Mais si vous avez une peau grasse et que vous prenez un fond de teint à base d'huile, c'est comme si on mettait de l'huile sur de l'huile, en fait. Ok. C'est vilain. D'accord. Tout simplement. Il n'y a pas de souci. Et aussi, il faut regarder les ingrédients dans les fonds de teint. Aujourd'hui, je vois que les gens privilégient le coût, mais moi, je privilégie la qualité. La qualité d'abord parce que la peau est précieuse. Il ne faut pas utiliser des fonds de teint qui vont après vous donner des rides, descamer votre peau, sécher votre peau, non. Il faut bien regarder les ingrédients contenus dans ce fond de teint. Et si dans ces ingrédients, vous n'avez pas un composant allergique pour votre peau, alors vous pouvez l'utiliser. D'accord. Alors, que pensez-vous de certaines femmes qui maquillent d'autres femmes, mais de manière vraiment exagérée, à mettre des faux cils ultra longs, à la Nicki Minaj ou à la Rihanna, à mettre un gloss, je ne sais même pas comment, trop foncé et tout. Donc, que pensez-vous de cela? Je ne suis pas contre. Le maquillage, c'est un choix. Moi, par exemple, si une cliente vient et qu'elle me dit, je veux un maquillage dramatique, je vais te faire comprendre que si c'est pas par exemple la nuit ou vraiment de grandes cérémonies ou bien des shootings, je te dirai non, c'est pas adapté à ça. Mais si tu ne te comprends pas et que c'est ton désir et que le client est roi, la cliente est reine, je ferai ce que tu veux. D'accord. Donc je n'ai pas forcément à juger ces dames-là qui le font, parce que je ne sais pas leur relation avec leur cliente. Exactement. Mais moi personnellement, lorsqu'une cliente me demande fais-moi ça, je lui explique d'abord que voilà, surtout quand c'est le fond de teint plus clair, tu me demandes un fond de teint plus clair, désolé, va avec ton argent. Ça, je ne le fais pas. Mais si tu veux un maquillage vraiment dramatique, flashy, coloré, ça, bon, à toi de voir, c'est toi qui l'aimes, je le fais, mais de façon professionnelle, sans pour autant dépasser les bornes. D'accord. Alors, vous êtes maquilleuse professionnelle, comment est-ce que vous arrivez à gérer cela et avec votre vie, avec votre quotidien? Est-ce que parfois vous avez vraiment le temps pour vous-même? Parfois, je n'ai pas le temps pour moi-même. Parfois, c'est un peu compliqué. Des fois, je n'arrive même pas à toucher à mon téléphone parce que je suis concentrée sur ce que je fais. Et je peux rentrer fatiguée. Mais parfois aussi, tel que le Ramadan, beaucoup de femmes ne se maquillent pas. J'avais le temps de bien me reposer, de dormir comme je voulais. Mais bientôt, la saison qui vient, ça ne sera pas facile. Ça trouve que vraiment, un membre de ma famille ou bien un proche à moi ne fait pas attention, il peut me traiter de quelqu'un qui ne se soucie pas des autres. Parce que là, c'est le travail, juste le travail. Et c'est les soirs seulement que je peux rentrer fatiguée. Des fois même, bon, je l'avoue, à l'écran, sans me laver, je peux dormir. Exactement, oui. Quand on est trop fatigué parfois, c'est comme ça. Alors, je ne sais pas, quelle sensation ça vous fait d'être une femme indépendante, d'être vraiment entrepreneuse et tout? Quelle sensation ça vous fait? Ça me donne du bien-être, de la confiance en soi. Et je me dis que
je peux compter, au moins pour le minimum, je peux compter sur moi-même. Et ça me donne une sensation, je vais répéter, je vais être répétitif. D'accord. Ça me donne une sensation d'indépendance, d'une certaine liberté. Une liberté à ne pas forcément attendre que quelqu'un te donne le petit déjeuner avant que tu ne le trouves. Mmh. Au moins, le minimum est là, quoi. Bien. Voilà. D'accord. Est-ce qu'il vous arrive, je ne sais pas, d'inspirer d'autres jeunes femmes? Est-ce qu'elles vous écrivent sur les réseaux sociaux pour dire « Waouh, j'aimerais bien être comme Ange un jour ». Est-ce que ça vous arrive? Oui. Mmh. Ça m'arrive, au fait, d'encourager certaines jeunes filles. Par exemple, il y a une fille qui m'a écrit, elle me dit « Ange, tu m'encourages. J'avais commencé à faire les perles, mais là, j'étais un peu découragée. Mais le fait de te voir te battre, tu ne lâches pas, ça m'a vraiment encouragée. Mm-hmm. » Et depuis ce jour, je l'encourage de jour en jour. Mm-hmm. Et beaucoup d'autres personnes, j'encourage beaucoup de filles à ne pas lâcher ce qu'elles font. Bien. Tu savais, dans toute vie, dans toute chose, il y a des obstacles. Mais lorsqu'on est découragé au premier obstacle, les grands de ce monde, vous savez qu'ils ont forcément traversé des épreuves, mais ceux qui n'ont pas lâché sont arrivés au sommet. D'accord. Alors, vous avez fait des études en gestion des ressources naturelles, vous êtes diplômé et tout. Est-ce que lorsque vous vous êtes décidé, en tout cas, de virer vers le make-up, d'être maquilleuse, est-ce qu'il n'y a pas eu quelques stigmatisations, par exemple, au sein de votre famille? Pas seulement au sein de ma famille, mais mes amis avec qui j'ai l'entourage étudié, me disaient, mais c'est fou. Parce qu'ils confondent au fait, genre la coiffure juste comme ça et le maquillage. Et je leur dis, non, le maquillage c'est une profession. Ma mère elle n'était pas du tout d'accord. Elle me dit, mais tu vas maquiller pourquoi? Le maquillage, il n'y a rien dedans. Je dis, non maman, c'est pas ce que tu penses. Moi, c'est le maquillage professionnel, donc calme-toi. Au fur et à mesure qu'elle voyait que je m'épanouissais dans ce que je fais, elle était rassurée. Rassurée et elle était un peu plus d'accord. Mais jusqu'à présent, mes amis de promotion me demandent, mais pourquoi tu aurais pu être un grand cadre dans une institution internationale et tout ça, ou bien une société minière? Je leur dis non. C'est ça que j'aime. La les passion avant sont, tout. Voilà. Les débuts sont compliqués, mais ça va aller. Voilà. On y arrivera sûrement. Voilà. En tout cas, il n'y a pas de saut métier. Alors, dernier virage de cette émission, Ange-Marie Christelle Haba, maquilleuse professionnelle, la dame au pinceau magique. Justement, quel appel avez-vous à lancer à toutes ces femmes mécaniciennes, notamment également aux femmes vendeuses dans les marchés, à toutes ces femmes qui se battent? Quel appel vous avez à les lancer pour ne pas qu'elles lâchent prise, même face aux stigmatisations? J'invite toutes ces femmes-là à vraiment être courageuses, à ne pas baisser les bras. Parce qu'il n'y a pas de nation sans le féminin. Et pour que tout aille bien, il faut que tout le monde se mette à la tâche. Aujourd'hui, une femme au moins qui peut chercher quelque chose a d'abord une certaine confiance en soi. Et pour être aimée à l'extérieur, il faut d'abord s'aimer soi-même. Mais si tu as une certaine réticence, une certaine gêne à être indépendante, ou bien à te dire que non, c'est l'homme qui doit tout faire, c'est pas bon. Bien. Donc il faut, c'est vrai, l'homme doit prendre soin de sa femme, mais une femme doit au moins avoir le minimum pour elle-même. S'il n'y a pas de boîte d'allumettes à la maison, ou si le sel est fini, qu'elle arrive elle-même au moins à acheter ça avant que le mari ne rentre. Donc c'est un peu ça. J'invite toutes les femmes qui sont dans l'entrepreneuriat à ne pas baisser les bras. C'est vrai, il y a beaucoup d'obstacles. Le chemin est rué de roches, mais il ne faut pas baisser les bras et prier beaucoup. Et avec l'aide de Dieu, tout ira bien. Nous atteindrons tous nos objectifs si seulement, si et seulement si, vous ne baissez pas les bras. Bien, merci bien. Hein? Voilà qui est bien dit. Si seulement si vous ne baissez pas les bras. Voilà. Merci bien, Ange-Marie Christelle Haba. Ce fut un plaisir de vous recevoir sur ce plateau. Merci beaucoup et bonne chance pour la fête qui s'annonce. Merci. C'est moi qui vous remercie. Merci beaucoup de m'avoir invité sur ce plateau. Bien. Ça me fait un réel plaisir. J'imagine déjà le nombre de personnes à maquiller par jour. Oui, ça sera certainement une trentaine.
Le courage. Je ne suis pas autant c'est connue bien. Pour ça, oui. Mais bon, ça vient. Non, ça vient. C'est en route déjà. Oui, en moins d'une année déjà, Ange-Marie fait une vague sur Facebook. Ah, donc, c'est que ça vient. Hein. Bonne chance. Voilà. Merci beaucoup. Voilà donc, aimables téléspectateurs, vous l'avez bien compris, on avait comme invité sur ce plateau Ange-Marie Christelle Abba. Elle est maquilleuse professionnelle. On l'appelle ici tout simplement la dame au pinceau magique. Elle est tout le temps là pour nous maquiller, pour nous rendre belles afin qu'on puisse vraiment paraître très bien, très très joli, très beau aux yeux de nos millions de téléspectateurs de Gangan TV. Et je rappelle aussi qu'elle est diplômée en gestion des ressources naturelles. Elle a aussi travaillé en tant que comptable au Bénin. Elle est aussi diplômée en anglais. Hein. Voilà, elle a suivi des cours d'anglais au Ghana. Donc, il faut dire qu'elle a vraiment une tête bien faite. Mais c'est la passion qui l'a dirigée vers le maquillage et elle a également fait des études en maquillage professionnel. Donc, c'est à apprécier. C'est une femme qui fait de l'entrepreneuriat. C'est une femme indépendante qui encourage toutes les autres femmes, qu'elles soient mécaniciennes, qu'elles soient vendeuses dans les marchés, de se battre afin d'atteindre en tout cas leurs rêves. Parce que seul le combat, seul en tout cas la sueur, ce que vous récoltez à la sueur de votre front peut vous payer tout simplement. Donc, au plaisir de vous retrouver vendredi prochain pour un autre thème de tout s'explique. Prenez soin de vous et bonne fête à tous. On espère que vous avez bien compris les leçons du make-up avec Ange-Marie Christelle Abba. Merci bien au caméraman, toujours là, toujours là, le grand cadreur Daddy. À la technique, il y avait Maimouna Kanom Kamara. Merci à tous. Je vous bisoute. À la fraise.